Bonjour, bienvenue sur HR Makers. Aujourd'hui, nous allons parler de l'executive coaching. Vous le savez, les entreprises sont en transformation. Bien souvent, on peut dire qu'elles sont en transformation permanente. Dans ce contexte, nul doute que l'accompagnement du dirigeant est nécessaire. Parmi les outils clés afin d'accompagner le dirigeant, il y a l'executive coaching. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Françoise Lecéchère, cofondatrice du cabinet Trajective. Bonjour Françoise. Bonjour Elsa. Trajective a été fondée en 2004. Pouvez-vous nous dire quelles ont été les motivations qui vous ont conduit à fonder Trajective? Alors, Trajective est née de l'intuition de deux fondateurs, donc Laurent Audou et moi-même. Nous avions durant 25 ans travaillé dans des très grands groupes qui étaient très prônés à réfléchir sur ce métier de dirigeant. Et nous avons eu envie d'en faire profiter l'ensemble des organisations auxquelles nous avions accès en France. Nous avons choisi de le faire avec une communauté de coachs, tous seniors et expérimentés, avec l'idée aussi que Trajective soit le creuset pour nous de continuer à réfléchir à ce qu'était l'accompagnement et ce métier de dirigeant. Et puis nous avons aussi choisi de le faire en écrivant, conceptualisant, à partir de nos expériences, sur ce qu'était ce métier de dirigeant et comment le soutenir. Quels sont les besoins que vous percevez, des dirigeants en la matière? Alors, ils ont beaucoup évolué, hein. Au démarrage, les dirigeants étaient. On était dans une société où la direction était très autocratique, plutôt hiérarchique. Et puis, progressivement, il y a eu un besoin d'aller vers plus d'inclusivité et de collectif et de collaboratif. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'un des besoins, c'est de rétablir la juste autorité, la saine autorité, tranchée, décidée, cadrée, parce que c'est aussi dans le monde chaotique qui est le nôtre, une façon de protéger, de rassurer et de pouvoir relancer plus de créativité. Donc ça, c'est un des besoins que nous voyons. Le deuxième, c'est qu'au démarrage, nous ne coachions que les hommes et de plus en plus maintenant de femmes accèdent à des hautes fonctions de direction. Donc il s'agit de les aider, de les accompagner pour qu'elles puissent inventer un nouveau mode de leadership. Et moi, je suis assez convaincue que cette parité va nous permettre aussi de mieux adresser les enjeux du monde. Voilà. Et puis, il y a de nouveaux sujets qui s'invitent à la table, à l'agenda du dirigeant, les enjeux de transition écologique, ça bien sûr, ça fait partie de ces sujets-là. Et puis, d'une manière plus générale, l'engagement et la mobilisation d'organisations qui ont un peu perdu parfois la foi et la capacité à avoir confiance en la direction. De nouvelles thématiques émergent, de nouvelles méthodes certainement. Chez Trajective, vous avez une offre signature assez remarquable qui est le Twin Coaching. Pouvez-vous m'en dire plus? Alors, le twin coaching, il est parti d'une conviction qui est que pour bien accompagner les dirigeants, il valait mieux le faire directement, j'allais dire on the job, eux avec leurs équipes. Et donc, le twin coaching, ça veut dire qu'on va à la fois travailler pour soutenir le dirigeant et en même temps soutenir chacun des membres du collectif. Et donc, le projet est co-construit avec toutes les parties prenantes, ce qui fait que ce n'est pas le coaching du dirigeant, mais le coaching de tout le système. Donc ça a beaucoup de puissance et de force parce que ça veut dire sur une équipe de 7-8, c'est 7 à 8 personnes qui sont engagées pour faire en sorte que ce collectif grandisse, bouge, se transforme. Donc ça, c'est le premier parti pris. Après, la singularité du twin coaching, c'est que nous travaillons l'ensemble des sujets auxquels sont confrontées une équipe de direction, que ce soit l'élaboration de sa vision, construire des liens de confiance et travailler sur sa dynamique collective, mais aussi avoir une gouvernance ajustée, structurée, des prises de décision efficaces, ouvrir des temps de réflexion, de prospective et de stratégie. Et puis un dernier point important, l'engagement de tous les collaborateurs. Donc le twin coaching, c'est un espace où le dirigeant et son équipe peuvent poser l'ensemble des problématiques qu'ils ont. Ça commence en général par un diagnostic, un état des lieux qui permet à l'équipe de décider les sujets qui sont les plus critiques pour construire sa performance. Et ensuite, nous les accompagnons dans la durée, à peu près 6 à 9 mois, parce que ça prend du temps entre le moment où on décide de changer et le moment où on est effectivement en capacité de le faire. Ça nécessite des essais, des erreurs, de pouvoir remonter sur le cheval quand on est tombé. Voilà. Donc ça prend du temps et c'est pour ça que nous restons aux côtés de l'équipe sur une durée. Et d'ailleurs, la plupart des clients avec qui nous travaillons font en général une journée de temps d'arrêt dans le suivi, dans la durée. Et pour demain,
Quelles sont les ambitions de Trajective ? Alors, Trajective, bien sûr, doit s'ouvrir aux nouveaux besoins. Donc, j'ai déjà mentionné la transition écologique, j'ai déjà mentionné le leadership au féminin, mais il y a aussi tous les sujets de l'IA. Donc, comment ceci, ça s'invite maintenant sérieusement à la table du dirigeant dans son métier, mais aussi pour nous, dans notre posture de coach. Jusqu'où digitaliser et comment, dans cette configuration-là, ne pas perdre ce qui est précieux pour nous, c'est la qualité du lien qui est un espace transformant, parce que c'est dans le lien que ça se construit. Voilà. Donc ça, c'est une des nouvelles questions qui s'invitent, mais aussi, d'une manière plus générale, continuer à réfléchir sur ce métier de dirigeant. Il bouge, il évolue. Donc, Trajective a envie de rester à la pointe de l'innovation et de continuer avec les dirigeants, quelles que soient d'ailleurs les sphères dans lesquelles nous intervenons, à réfléchir à ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est vraiment ce que nous aimons faire. J'ai une dernière question pour vous. Françoise, en tant que femme dirigeante, quelle est l'empreinte que vous souhaitez laisser ? Alors, je pense qu'on a une conviction forte que c'est la qualité des liens et la confiance que l'on peut créer qui permet des transformations majeures. Mais ce que nous recherchons, c'est la transformation majeure, c'est-à-dire quelque chose d'un avant et un après. Quand on est accompagné par Trajective, il se passe quelque chose. Et donc, ce que l'on avait rêvé, ce que l'on avait imaginé, eh bien, on le concrétise. Et donc, parfois, j'ai des équipes qui disent « mais c'est idéal d'imaginer qu'un jour, on pourra fonctionner aussi bien ». Je dis « non ». Ne nous interdisons pas de rêver. Donc moi, ce que j'aime, c'est à la fois rêver, mais que ça se concrétise de manière très opérationnelle et très opérante. Et au-delà d'ailleurs de l'équipe, hein, quand on a fait un très bon travail avec un dirigeant, avec une équipe, c'est l'ensemble de l'organisation qui bénéficie du travail que nous avons fait. Et donc, pour ça, on a une particularité chez Trajective, qui est que nous transmettons, avec un principe de copyleft, tout ce que nous écrivons pour que l'ensemble des organisations s'en emparent. Donc on forme aussi beaucoup et on transfère nos pratiques en interne dans les organisations, mais on a aussi tout un volet de transmission auprès du coach, parce qu'on continue à réfléchir à ce métier. Donc l'empreinte qu'on laisse, c'est tout ça. C'est à la fois des transformations profondes et durables dans les organisations, mais c'est aussi toute une communauté de coachs bien au-delà de Trajective que nous formons, que nous accompagnons dans ce métier qui finalement reste très récent, il a à peine 25 ans. Merci beaucoup, Françoise. Merci à vous. À très bientôt.